Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente trois exercices qui vont permettre de lutter contre l'arthrose au niveau des cervicales. Alors les cervicales, vous le savez, c'est une zone qui est vraiment très sensible quand il y a de l'apparition d'arthrose. Donc vraiment pour les mouvements que je vais vous présenter, allez-y doucement, ok? Si vous sentez à un moment donné qu'il y a des blocages, qu'il y a des douleurs qui commencent à arriver, vous stoppez les exercices ou alors vraiment vous essayez d'y aller plus lentement, ok? Le premier exercice, ça va être de la mobilisation. Un deuxième exercice de mobilisation et le troisième exercice, ça va être des étirements. Donc c'est parti pour le premier exercice qui est relativement simple. Vous êtes assis sur votre chaise, vous décollez votre dos de votre dossier pour avoir le dos le plus droit possible, ok? Vous vous tenez donc le plus droit possible. Moi, j'essaye d'avoir le dos J'évite d'avoir le dos trop creusé, ok? Souvenez-vous des postures que vous avez apprises jusqu'à aujourd'hui. Ni trop devant, ni trop derrière, ok? Et le premier exercice est relativement simple. Ça va être de faire des mouvements de gauche à droite, ok? Sans forcer, sans aller trop loin, pas de blocage, pas de douleur pour ce premier exercice. Donc ça, c'est des mouvements qu'il faut faire lentement, ok? Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ok. Vraiment, allez-y lentement pour ce premier exercice. Donc, de gauche à droite, de droite à gauche. Ok. Si ça craque un petit peu, bon, a priori, c'est normal. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de douleur, vous pouvez continuer l'exercice. Ok. D'accord. Le deuxième exercice, ça va être la même chose, mais à la verticale. C'est-à-dire que vous allez ramener menton, poitrine, et vous allez lever les yeux vers la tête. Et ce que vous pouvez faire pour ce type d'exercice, c'est que vous pouvez y aller progressivement. C'est-à-dire au début, faire des petits mouvements, d'accord, dans vos amplitudes, qui n'est pas du tout de contrainte. Même si c'est des petites amplitudes, je préfère que vous fassiez des petits mouvements et qu'il n'y ait vraiment pas de douleur plutôt que tout de suite des grands mouvements et que ce soit du n'importe quoi. Ok? Donc allez-y doucement et essayez de gagner de plus en plus d'amplitude pour cet exercice-là. De haut en bas, de bas en haut, sans vous pencher vers l'avant, hein. Votre dos il reste fixe, mes bras et mes épaules sont détendus. Ok? Et ça, c'est un bon exercice pour chauffer votre colonne vertébrale, vos cervicales, d'accord? Un bon exercice pour mobiliser le haut de la colonne vertébrale et pour essayer de bouger un petit peu vos cervicales, d'accord? Donc ça, c'était le premier exercice, donc de gauche à droite et de bas en haut. Le deuxième exercice, c'est aussi de la mobilisation, mais cette fois-ci, on va faire de la rotation. Alors attention, la rotation, ne me faites pas des trucs dans tous les sens, vous allez avoir la tête qui va tourner. Et puis, vous allez vous sentir mal. Donc, on va y aller doucement. Vous allez commencer par faire menton-poitrine. Relâchez vos épaules et vous ramenez menton-poitrine. Ne vous penchez pas vers l'avant. Restez bien droit. Menton-poitrine, c'est la première phase. Et vous allez pencher votre tête sur le côté. C'est-à-dire que vous allez ramener oreille contre épaule. Okay? Et vous allez revenir menton-poitrine et faire la même chose de l'autre côté. Et même principe que l'exercice précédent, c'est que vous y allez progressivement. Vous allez faire vers le bas, vers le côté, vous vous arrêtez et vous faites de l'autre côté. Donc allez-y doucement. Je rappelle, on touche au cervical. Donc vraiment, allez-y doucement, même s'il y a très peu de risques pour que vous fassiez mal, on est d'accord. Mais allez-y lentement. Ok. Une fois que vous avez senti ce mouvement de rotation, l'exercice va se passer en trois temps, d'accord? On va faire un coup à gauche, un coup à droite et on va faire le tour complet. Je vous le montre dans un premier temps. Regardez, ça va faire menton poitrine à gauche, à droite et je repars à gauche et je fais un tour complet. Mais le tour complet, d'accord, j'y vais doucement, ok? Et je reviens menton poitrine. On le fait ensemble, la même chose, on commence à gauche. Gauche, droite, et je repars à gauche pour faire le tour complet. Et voilà, je fais un joli tour,
Le tour de l'horloge. Et une fois que j'arrive ici, je le fais dans l'autre sens. Maintenant, à droite, à gauche, et je repars à droite pour faire le tour complet de l'horloge. Voilà. Et c'est reparti dans l'autre sens. Un, deux et trois. Tournez. Vraiment, allez-y doucement. Essayez de décomposer le mouvement le plus possible, d'accord? Pour sentir vraiment toutes les vertèbres qui sont associées à ce mouvement de rotation. Ok? Donc pour l'ensemble des exercices, 10 répétitions, c'est pas mal. 3 séries de 10 répétitions, ça permet vraiment de ressentir quelque chose au niveau du cou. Faites-le évidemment régulièrement pour qu'il y ait un impact dans votre quotidien. Ok? Donc, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, ça va être un exercice plutôt d'étirement. D'accord? Donc, on va étirer les cervicales. Donc, pour ça, toujours assis sur votre chaise, vous allez vraiment penser à relâcher vos épaules, ok? Donc plutôt que d'avoir les épaules ici, tout de suite, vous baissez vos épaules, vous les relâchez, ok? Les mains sur vos jambes, d'accord? Plutôt paume de main vers le plafond, d'accord? Pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens pour vraiment essayer de relâcher vos bras. Une fois que vous êtes relâché dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pencher la tête sur le côté pour ramener oreille contre épaule. Allez-y, faites-le. Et progressivement, vous allez sentir un tiraillement au niveau de la nuque, ici. D'accord? Les trapèzes, là, qui sont étirés. Et lorsque vous sentez un léger tiraillement, vous ne bougez plus. Ça veut dire que le muscle est étiré. D'accord? Ne bougez plus et vous maintenez la même posture pendant 20 secondes. Ok? Donc, je le compte pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est 20 vraies secondes que vous devez tenir. Ce n'est pas 5 à 10 secondes, c'est 20 secondes minimum. Les étirements, 20 secondes minimum. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, faites-le correctement chez vous. De l'autre côté, relâchez vos épaules, les mains sur vos jambes, le dos bien droit, n'oubliez pas. Et vous penchez épaule contre, oreille contre épaule. Alors, ne levez pas évidemment votre épaule, hein, c'est l'intention, hein, de ramener votre oreille contre votre épaule, jusqu'à sentir un léger tiraillement au niveau de la nuque. Lorsque vous sentez ce tiraillement, ne bougez plus, maintenez la position, pas de douleur surtout. Je vous fais confiance pour ça. Hein. Pas de douleur et ventilez pendant l'exercice. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et relâchez la tension doucement. Et voilà, donc ça c'est le même principe. Répétez ces exercices-là sous forme de série. Vous en faites plusieurs d'affilée et ça va permettre de relâcher les tensions que vous avez, que vous pouvez avoir dans le cou et évidemment dans la nuque. D'accord? Donc ces trois exercices, si vous les faites quotidiennement, ça va permettre de lutter ou du moins de retarder évidemment l'apparition de l'arthrose. À bientôt pour d'autres vidéos.